Qu'est-ce qui se passe? Hé! Vous... vous êtes qui? Tu n'as pas encore compris? C'est... une diffusion en direct sur Internet. En direct? On diffuse quoi en direct? C'est toi qui m'as enlevé? J'ai vu à quoi tu ressembles. Ça sert à quoi de t'être maquillée comme ça? Coupable! Tu es jugée coupable. Nous allons commencer. On va débarrasser la société d'un cafard comme toi. Un cafard? C'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce que j'ai commis comme crime? Tu es un cafard. Tu ne sais même pas quel crime tu as commis? Mais vous êtes complètement folle! C'est vous qui êtes en train de commettre un crime! Tu es un violeur! C'est faux! Tu tues des gens! Non! Vente de drogue! Conduite en état d'ivresse! Délit de fuite! Jamais de la vie! Arnaque, vol, harcèlement sur Internet, cruauté envers les animaux, excès de vitesse, mauvais stationnement, ne se lâche jamais! Non! Peu importe. Vous êtes complètement cinglés! Laissez-moi partir tout de suite, ou c'est moi qui m'occuperai de vous! Vous avez entendu? Vous savez qui je suis? Tu es le fils d'un conseiller municipal. Tu n'as peut-être tué personne, mais ton père, il a les mains pleines de sang. Voilà la principale raison de ta présence. Vous vous prenez pour qui? Comment veux-tu que je fasse du direct avec un cafard aussi bruyant que toi? C'est quoi ça? C'est trop drôle! C'est un opéra de Pékin? Arrête de regarder ces vieux trucs! Non, ils font quoi? Qui es-tu? Je suis une jeune fille nommée Yang Jihua. C'est impossible! La femme qui chantait de l'opéra, elle vient de tuer le monsieur, là? C'est un meurtre! C'est fou! C'est vraiment du direct? Quelqu'un vient de se faire tuer! Excellent! C'est peut-être un fake. Tuer quelqu'un en plein direct? Comment c'est possible? Mais quelle cruauté! Il y a 30 ans,
eut lieu une affaire de meurtre. Toute la famille Yan, troupe d'opéra chinois, fut massacrée. Pour ce bain de sang, c'est Yan Tiehua, la dernière survivante de la troupe, qui fut condamnée. Reconnue coupable, on l'enferma dans un centre de recherche scientifique où elle serait morte 20 ans plus tard. Je suis un démon. Je m'appelle Yan Tiehua. Vous êtes le prochain sur la liste. Cher conseiller, je vous traînerai jusqu'en enfer, peu importe le prix. Je suis une jeune fille nommée Yan Tiehua. Et ma bière. T'as pas l'air bien, mon vieux. Quand t'es rentré, t'avais la même tête que tous ces gens qui sont dans la rue. J'arrive pas à y croire. Ça fait même pas un an que t'es à la retraite. T'es mis à jouer? T'es devenu un ivrogne? T'as fait quoi de ta prime retraite? De te faire foutre. Peu importe. En ce qui concerne le meurtre sur Internet d'hier soir... File-moi une autre. Tu te crois où, ici? Cette affaire. Ce gars qui a été assassiné en direct. C'est le fils d'un conseiller municipal. Le fils d'un conseiller s'est fait buter en direct. L'affaire de la famille Yan, elle a vraiment eu lieu il y a 30 ans. C'était un vrai bain de sang. On serait cru dans un film. Il n'y avait qu'une survivante, Yan Tuea. Elle avait 15 ans. La raison pour laquelle j'ai voulu te voir, c'est que le flic qui était en charge de l'affaire, c'était toi, il y a 30 ans. Tu te souviens encore de cette Yan Tiehua? Je me souviens de toutes mes affaires, même celles d'il y a 30 ans. Et plus que tout... de Yan Tiehua. Mais elle a été emmenée avant même d'avoir avoué les faits. Et s'est fait embarquer comme ça, d'un coup. Par des gars qui se sont présentés comme des représentantes du Bureau de la Sécurité Nationale. Cette affaire, qui aurait dû être traitée par un tribunal public, est vite devenue un dossier top secret. Et il est difficile d'imaginer qu'une jeune fille comme ça ait pu commettre une telle horreur. À l'époque, j'étais qu'un simple flic. J'ai rien pu faire. On raconte qu'elle est restée enfermée dans un institut de recherche pendant 20 ans. Et puis, il y a eu une explosion qui a complètement rasé le bâtiment. Ce genre de choses, ça passe forcément à la télé. L'opération de sauvetage a duré quelques jours, mais tout le personnel de l'institut y est resté. Y compris Yan Tiehua. En d'autres termes, Yan Tiehua serait morte il y a déjà plus de 10 ans. Je suis un démon. Je m'appelle Yan Tiehua. Vous êtes le prochain sur la liste. Cher conseiller, je vous traînerai jusqu'en enfer, peu importe le prix. C'est une photo qui a été prise il y a 30 ans. Le maquillage de Yan Tiehua est le même que celui de la fille qui a été vue en direct. Yan Tiehua, qui es-tu vraiment? Humain ou démon, tu ne vas pas croire que c'est elle, non? On fait quoi, mon ancien collègue? J'ai déjà lancé un avis de recherche. Franchement... comment comptes-tu retrouver une personne qui est morte il y a 10 ans? Tu cherches quoi? Un fantôme? Je m'en fous que ce soit une personne ou un fantôme, quelqu'un est mort. Faut s'occuper de cette affaire. Alors? Et tu fais quoi, là? T'es la personne qui comprend le mieux la Yan d'il y a 30 ans. Compte tenu de ce qui s'est passé avec ce meurtre en direct, peut-être qu'il est nécessaire de replonger dans ce vieux dossier pour trouver des réponses. La retraite, c'est visiblement pas ton truc. Tu reprends du service, inspecteur Hemmings. Ah, va te faire foutre, je refuse. Laisse-moi. Le flic qui a arrêté Yan Tiehua il y a 30 ans, c'est toi. T'as aucun regret? Et si tout s'était passé comme elle l'avait dit? Tu crois que Yan Tiehua était innocente?
Bon sang, mais quelle sale histoire. Je suis trop vieux pour ça. Ah, au fait, dans le cas où Yan Tiewa serait pas morte, elle aurait quoi aujourd'hui? 45 ans, non? Elle peut pas être celle qu'on a vue sur Internet. À suivre maintenant l'affaire de la mystérieuse disparition de la déesse du Go, Iga Mirai. La célèbre joueuse de Go, Iga Mirai, née à Okinawa au Japon, est devenue professionnelle à l'âge de 14 ans. Elle a depuis atteint le rang de 7e dan de Go. Il y a tout juste un mois, elle avait affronté avec succès Lia, qui était invaincue jusqu'alors, lui faisant goûter la défaite pour la première fois et à la surprise générale. Toutefois, quelques jours après cette victoire, la génie du Go a cessé de donner tout signe de vie. Nous sommes toujours sans nouvelles d'elle jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Pour une fois qu'un génie était capable de battre cette IA au Go, elle disparaît. Les extraterrestres, peut-être ? Extraterrestres ? Ouais. Bois pas d'alcool ici. T'es incroyable. Aucune personne normale ne peut gagner contre une machine, n'est-ce pas ? Alors comment ça se fait ? J'aimerais bien faire un tour dans son cerveau pour enquêter un peu. Iga Mirai.